Ce soir, nous sommes sur le plateau, c'est-à-dire sur la scène de l'Opéra Bastille. Pourquoi ? Parce qu'une soirée exceptionnelle a lieu ce soir en l'honneur de Brigitte Lefebvre. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Opéra Bastille, un souper a lieu sur la scène. La ROP m'a fait la gentillesse avec Jean-Louis Beffa de faire une soirée en mon honneur. En fait, c'est une soirée en l'honneur du Bel Opéra de Paris. Ça, j'en suis heureuse. Très important pour le ballet qu'il y ait des partenaires différents que les pouvoirs publics qui accompagnent nos projets. Dans le ballet et l'opéra, beaucoup de tournées ne peuvent exister que grâce au mécénat. Notre relation avec l'Opéra de Paris était une relation d'émotion, d'amitié, également liée à la culture et l'art que cette institution incarne le ballet tricentenaire. Donc pour Vachon Constantin, c'est tout à fait normal d'être présent, d'être témoin de cette transmission, puisque nous faisons ça depuis 1755, transmettre le savoir. Je suis très heureux aussi de savoir que ça continue en fait. On est tous les maillons d'une chaîne à l'Opéra de Paris. Je succédais à... Benjamin va me succéder le moment le plus tard possible, j'espère pour lui, il y aura encore quelqu'un d'autre. Et en même temps, le ballet de l'Opéra de Paris est là. Et ça, c'est magnifique. Soutenir la culture et non seulement venir au ballet, amener ses enfants, bien évidemment, mais aussi pour ceux qui ont la capacité, la possibilité à soutenir des institutions culturelles comme l'opéra, c'est conserver une tradition et quelque chose qui est important pour notre sensibilité, pour notre expérience humaine. Et ces dernières années, la ROP, qui était peut-être plus tournée vers l'opéra lui-même, en tant que spectacle, c'est beaucoup aussi tourné vers le ballet avec l'adhésion enthousiaste de nos adhérents.